L'homme n'absorbera. L'homme n'absorbera. Point. Donc, l'homme n'avalera. Point. Les écoulements. Donc, perte blanche. Perte vaginale. Le côté issu de Ibumbo, c'est-à-dire vagin de la femme, virgule, ni la cyprine. Cyprine, c'est sécrétion produite par le vagin lors de l'excitation sexuelle. Il y a point ici. Maintenant, certains vont me poser la question, mais oui, mais Zoula, dans une vidéo, tu avais dit que l'homme peut faire le... qu'il ne lingue à sa femme. L'homme peut faire ça à sa femme. Oui. Mais j'ai jamais dit que l'homme doit avaler le liquide qui sort de la partie intime de sa femme. Vous pouvez revoir cette vidéo, j'ai pas dit ça. Ah oui. Donc vous pensez que ça se passe comment? Je répète. On va relire parce qu'il y a beaucoup de liquide qui coule par les parties intimes de la femme. Et quand ça se mélange, ça produit un autre goût. Ça produit un goût âcre. Ça peut produire un goût acide, un goût. Une sorte de fermentation. Et les odeurs. C'est ça qu'on vous dit ici. Et ces odeurs, vous ne savez pas ce que ça va vous produire. C'est-à-dire ce liquide-là, ce que ça va vous produire, les bactéries qui sont dedans par rapport à la macération. Donc on vous dit ici. L'homme n'absorbera, c'est-à-dire n'avalera point les écoulements. Les écoulements. Les écoulements. Perte blanche. Perte vaginale. Le côté. Issu de Ibombo, donc vagin de la femme, virgule. Ni la cyprine. Sécrétion produite par le vagin lors de l'excitation sexuelle. Donc, dès que ça se mélange avec l'autre, les autres liquides. Ça peut faire des mousses, ça. Et il y a une odeur. Puisque tel ingrédient avec l'autre ingrédient, quand tu fusionnes, ça manifeste une odeur. Une autre odeur. Et qui dit odeur, dit aussi ouverture.